Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on est sur le deuxième jour de course et championnat de France TTR 8e Brochelet organisé par le CAV Guidon. Et là on est sur la dernière manche d'essai avant le briefing. Donc il reste plutôt encore une manche, hein, donc c'est normalement le meilleur qui va rouler. Et là on va aller les voir. Alors, petit changement, hier je vous ai déjà fait une vidéo, c'était avec mon téléphone, là, le changement c'est que je le fais avec la GoPro que nous a offert Cyril de Modélisme 34, je le remercie encore, donc je la reteste, parce que pour l'instant les tests que j'avais fait, en intérieur, ils n'étaient pas hyper concluants. Alors là, normalement, vous allez avoir dans cette série les mieux classés, hein, notamment sur la manche qui est organisée en Armouvant, vous avez en bleu. Sur Wigan, Stéphane Deroche, voilà, qui a gagné la finale des vieux. Là, vous avez Jérôme Sartel, le responsable à la fédération de la catégorie, multiple champion de France en brochelet, en. Allez, la série 9, en nitro, en truc. En ramassage. Et je vais retourner voir. Mais et après, là, vous avez le directeur de course. Et après, nous aurons le briefing, il faudra vous dépêcher pour le briefing parce que le timing est très serré. Là, vous avez l'équipe comptage. Oh, qui m'ont accueilli, hein. Ils m'ont laissé une petite place. Vous avez fait un timing. On va suivre un peu cette manche. Alors là, je peux pas zoomer avec ça. Vous avez le circuit pour l'instant, il fait le temps est correct. Hein. Ils ont annoncé un tout petit peu de pluie, peut-être vers 14h, je crois. Allez, c'est ouvert. Donc, il y a un peu moins de poussière que hier, bien sûr. Ça, c'est. Ah, je suis désolé, mais je découvre un peu la GoPro. Alors, l'écran, il n'arrête pas de s'éteindre. Pourtant, j'ai réglé la temporisation. Ah, ouais, il y a tous les pilotes qui sont partis à la fois. Ils sont sur la nouvelle partie du circuit. Personnellement, je trouve visuellement c'est beaucoup mieux. Là aussi, ça a été changé, hein, c'est la partie en astro. Voilà, Jean-Pierre qui vient de passer, Stéphane Deroche, tous les pilotes qui sont partis. Maintenant, ils vont se répartir un peu sur la piste. Alors là, il y a quand même les essais, il y a un enjeu. Déjà, le premier enjeu, c'est de régler sa voiture, hein, surtout pour ceux qui sont là aujourd'hui. Alors c'est par exemple le cas de Stéphane Deroche qui n'était pas là hier. Et aussi, il y a une nouveauté qu'a mis en place Jérôme Sartel, le nouveau responsable de la catégorie. C'est on refait les séries, c'est-à-dire par rapport à vos résultats des essais, c'est-à-dire ils prennent, je crois, les deux ou trois meilleurs tours. Alors je ne sais pas si notre responsable du comptage il peut avoir de le dire. Pour le comptage, c'est les deux, trois meilleurs deux tours ou trois tours qu'ils prennent pour. Trois meilleurs. Les trois meilleurs. Les plus constants. Et ça vous permet, alors pendant qu'il y a le briefing, vous allez faire. Le brasserie, quoi. C'est ça, oui. Voilà. Merci, bien. Donc voilà, faut mieux demander les renseignements à la source. On est toujours bien renseigné. Donc vous avez entendu. Donc ça va permettre. C'est une nouveauté qui me semble intéressante. Ouais, pourquoi pas. Alors, c'est vrai, jusqu'à présent, on utilisait le classement du championnat de France hein, en cours pour faire ces séries. Alors c'est pour ça notamment que là il y a Pierre Rabouin, il partait avec pour l'instant il avait le numéro 1. Alors, d'ailleurs je vous ai fait la vidéo de ses essais. Alors là bon, comme je ne peux pas jouer de toute façon, je vais vous faire principalement des vidéos avec le cabescope, parce que le cabescope, vous allez voir, je peux zoomer vraiment de près. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir en détail le comportement des voitures. On voit, il y a beaucoup de voitures. Par exemple, là, quand je filmais, j'ai vu que le MT10, ça
c'est vrai que c'est flagrant, ils battent l'as, mais c'est incroyable, quoi. Les roues elles sont vraiment collées au sol. Alors d'une marque à l'autre, ça change un peu les comportements, on voit qu'il y en a qui sont plus vives, on voit que c'est plus coulé. Alors bien sûr ça dépend aussi du style de pilotage du pilote, mais aussi des voitures, hein, de la conception. Alors là par exemple vous avez, je ne sais pas si on le voit bien, enfin on le voit surtout sur les photos, vous avez le fosse de ramassage, là il est dans un abri un peu blindé, hein, parce que là à cet endroit-là il y a des voitures qui partent en casquette, surtout avec quand il y a le revêtement en craie, la voiture a parti à la côte. Voilà, Jean-Pierre Sartel là qui passe devant lui. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi après descendre en bas et on va aller voir les ramasseurs, enfin les ramasseurs plutôt les mécaniciens. Alors qu'ils n'ont pas trop d'importance, je peux bien l'avouer, grossesse, parce qu'ils ont un rôle qui est mineur. Hein. C'est pas comme au micro, il faut faire les pleins, tout ça. Là, c'est vrai que c'est un avantage, quand même, au niveau de grossesse, l'avantage, c'est qu'on peut venir seul. Ouais, c'est vrai qu'en micro, il faut toujours un mécanicien. Souvent, on est obligé de mécaniciser les copains, entre le ramassage, tout ça. Après, ça devient un peu compliqué. Voilà, j'essaie de suivre de loin Jean-Pierre Sartel. Et c'est vrai que là, on l'aperçoit vraiment de très très loin. Voilà, il arrive en début de droite. Et il va descendre de toute part. La double, la deuxième double. Là, il y a une petite baisse hein, dans ce virage. Alors là, cette partie, elle est un peu délicate parce qu'il y a un freinage avant la courbe. Et elle est bien cette partie pour notamment faire la faute action parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui font la faute. Hein. Le freinage a une sorte de petit creux et en fin de compte ils partent en tonneau et c'est dans la gamelle. Alors là j'ai malheureusement comme vous pouvez le voir pas trop de luminosité, alors pour les photos action c'est un peu compliqué. J'ai raté le coup d'image. Mais bien on va essayer de pratiquer tout ça. On va quand même finir cette série et après je vous ferai assister. Hein. Ça c'est principalement pour ceux qui n'ont jamais fait de championnat de France, pour qu'ils voient comment ça se passe en Bretagne. Alors là, on a la chance, contrairement au micro, les responsables ne sont même pas déplacés sur les dommages qui ont eu lieu là pour l'instant. Mais l'avantage en Bretagne, c'est qu'on a Jérôme Sartel, et il participe d'ailleurs, hein, il roule en trigu et en bigu. Donc on va voir s'il va faire un petit discours. Bon, l'équipe comptage là pour l'instant ça se passe bien. Très bien, oui, très bien. Tout va bien. Non, toi t'étais habitué au comptage, mais t'es nouveau quoi, t'es, ouais. C'est une nouvelle recrue pour le comptage. Tout à fait. Alors vous voyez, ils utilisent. Il y a un double comptage, je crois. Donc là il y a un grand écran. Hein. Ici, et là il y a deux écrans. Terminé la 2. Ah, celui-là, et celui-là c'est en secours. Ouais, ouais, c'est ça. Terminé la 3. Et là vous avez toute la partie sonorisation. Terminé. Vous avez Stéphane, le directeur de course. Encore. Par contre l'arbitre, on ne voit pas trop l'arbitre. Hein. Mais l'arbitre il n'a rien à faire normalement. Il est là que si au cas où. Terminé. Ah, bon. Est-ce qu'il y a le machin là-bas à lunettes? Ah si l'arbitre il est là, merde, j'ai pas. Allez, nous allons passer au briefing maintenant après sa dernière manche d'essai. Plus tu vieillis, plus t'es méchant. Alors l'arbitre c'est Manu Lagré. Bon ils ont pas de bol hein, les pilotes, mais bon comme il a la vue basse, il voit pas les fautes, il voit pas les conneries. C'est un peu l'avantage. Hein Manu, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de l'arbitre? Alors c'est quoi la formation que tu as eue? Qu'est-ce que tu as fait pour devenir arbitre? À part que t'as failloté à l'époque. Non, c'est tout simple. Et à l'époque, je cherchais des gens pour justement encadrer tout ce qui est ACF, parce que à la base, tout ce qui est formation, arbitre et directeur de course, c'est surtout pour encadrer les CF. Et que ça soit quelque chose de carré, c'est ce que la Fédé recherche aussi. Donc on a reçu une formation avec
l'application des règles de base, du règlement. Alors après, c'est chaque CF, c'est spécifique à sa catégorie. Et ça, tu peux arbitrer que en TT ou... Ah non, du tout, du tout. C'est une base générale. Après, on te forme sur la base générale. Comme si tout le monde lit le règlement, vous avez une partie générale et une partie spécification en fonction des catégories. Par exemple, bon, si on regarde par exemple pour le BL, un TT à 8e BL électrique, il y a son règlement. Donc là, bon, après tu peux aller en piste, il y a un règlement aussi pour la piste et la partie générale. Donc voilà. Et à la base, voilà, lors de cette formation, tu évoques ce règlement général, surtout au départ, plus les spécifications, si tu veux. Et après, mettre en application et que ce soit carré lors d'un CF. On va dire c'est quelqu'un d'officiel. C'est un grand mot officiel. Et toi, t'es en soutien en fait. Alors, parce que c'est vrai que moi. C'est deux postes vraiment sur un CF. T'as deux postes qui sont vraiment trois avec le comptage, je veux dire. Qui sont, je veux dire, assez stricts dans la façon de faire. T'as Stéphane qui, lui, c'est lui vraiment le boss de la course, parce que c'est lui qui a le timing, qui a les séries en main, qui gère tout. Moi, j'arrive en soutien de s'il y a un souci. Je viens parce qu'il ne peut pas tout faire, donc lui il peut pas tout voir. Donc moi je viens en soutien aussi. Et lui, par exemple, c'est s'il y a un souci au contrôle technique, lui n'a pas le temps de descendre, par exemple. Tu vois, donc c'est aussi le rôle de l'arbitre d'aller voir le problème et de le résoudre. Après, il n'y a rien de méchant, on n'est pas, faut pas prendre ça. Non, parce que tout ce qui est arbitrage, oui. C'est vrai qu'on a vu plusieurs styles. Moi j'ai eu des styles, notamment à une époque, alors je crois qu'il n'est plus à la Fédé, mais on a un 10e électrique. Oui. Le gars, il virait carrément le directeur de course. Quoi. C'était, il prenait le pouvoir. Mais on l'a vu aussi en TT un 8e. Hein. Alors après, donc vous avez, il y a plusieurs styles d'arbitres. Oui, alors moi je sais que j'ai la chance avec Stéphane, c'est que ça, depuis la Big Race, la première Big Race que Viglin a organisée, c'est souvent, on officie souvent ensemble, faut être honnête, et les automatismes sont là. Faut être honnête, je sais comment Stéphane réagit, il sait un peu comment moi je fonctionne aussi, et ça c'est un plus. Je veux dire honnêtement, quand tu connais les gens. Alors après, la complexité, je veux dire, d'un directeur de course ou d'un arbitre, c'est que, messieurs les pilotes, c'est compliqué de tout voir. C'est là la complexité. Et tu auras toujours des insatisfaits. Oui, mais t'as pas vu ceci, cela. On peut pas tout voir. Faut être honnête. On essaye de faire de notre mieux parce que c'est ça. On est là bénévolement, ouais. On s'investit, on a fait la formation. Cette formation, elle est sur 2 jours, qui se fait à Paris. Alors, on va dire, il y a un examen à la fin. Mais toi, normalement, tu vas faire. Mais toi, tu avais été formé par Marie, je crois. Bah, parce que c'est Marie qui les faisait toutes. C'est elle qui les a. Maintenant, je ne sais pas qui a pris le relais. Bon, il y en a quand même pas mal de formés. Et là, tu as aussi un rôle. Là, il va avoir on attend pour le briefing. D'accord. Là aussi, tu vas intervenir. Bah voilà, Stéphane, il va passer ses consignes de course. Ouais. Parce que c'est lui directeur de course. Et moi, je vais arriver en supplément s'il oublie des choses. Et Jérôme Sartel aussi, peut-être. Oui, parce que lui, après, Jérôme, c'est le représentant fédéral. Attention, là, c'est encore le représentant de la discipline. Ouais, là, c'est donc lui, c'est s'il a des messages bien particuliers dont il nous a pas fait parvenir. Les dire ou quoi que ce soit, voilà. Mais sinon, faut que ça. Faut quand même. On n'est pas là pour faire le gendarme en permanence. Faut pas croire ça parce que des fois, on est peut-être perçu comme ça. Peut-être parce qu'il y a effectivement, il y en a qu'à moi, comme à qui. Il y en a qui ont abusé. Voilà, il y en a peut-être. Maintenant, je suis pas là pour juger mes collègues, mais après, c'est vrai qu'il y a des moments quand même où t'es obligé de faire un petit peu la police. Et est-ce que je vais mettre dans le problème, il y a des carrossiers que tu reconnais. Il y a des carrossiers, que c'est des gars. Est-ce que ça peut pas, c'est humain, hein, à un moment avoir une hésitation, peut-être quelque chose à dire. Soit qu'il est connu, c'est toujours délicat. Là, tu es en train de dire, ouais, par exemple, je vais prendre l'extrême, tu as le champion du monde ici, tu vas hésiter à lui mettre une pénalité parce que c'est le champion du monde. Après, non, faut rester neutre. Faut essayer de rester neutre. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué parce que, comme je te disais, c'est le côté. Il y a quand même, j'essaye de préserver quand même le côté humain. C'est comme dans les anecdotes, j'ai vu systématiquement, ça m'est arrivé de me prendre la tête avec des pilotes, mais tu vois, après, quand tu retournes les voir, tu discutes un petit peu avec lui, j'ai vu boire l'apéro après lui avec lui au thé, ouais. Tu vois. Mais tu bois pas. Ah non, mais j'essaye, mais on me force des fois, tu sais. Il y a un ancien qui s'appelait comment, Tractorico, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pu voir, mais. Non, mais je plaisante, mais voilà, c'est ça. C'est vrai que sur le coup, c'est jamais plaisant de prendre une pénalité, ceci, cela, ça c'est j'avoue. Mais en général, quand on met une pénalité, c'est pas anodin. C'est qu'il a déjà été prévenu une ou deux fois minimum. Ouais, hormis une grosse faute.
le gars qui coupe la piste volontairement. Et voilà. Faut bien reconnaître, il y a aussi les gars que t'aimes pas. Eux, c'est quand même plus facile. Non, 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 je vais pas être en difficulté. Non, je non, 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 personnellement, je veux dire. Moi, j'aime après, pas voilà. Mendes. Allez, bing. Non, non, mais on n'est pas là pour ça, je veux dire. Bah oui. On essaie de cadrer la course. Voilà, c'est surtout ça. Un peu comme le ramassage, tu sais. Bon, bah, de toute façon. Voilà, c'est toujours le problème. Quand un directeur de course comme Stéphane, il voit bien la course, il a de l'autorité, donc t'as pas de boulot. Ton boulot, il est moindre. Après, si tu peux être en support aussi des contrôles techniques et tout comme voilà, ça. Exactement, mais c'est surtout là que j'interviens. C'est s'il y a un souci au contrôle technique, c'est moi qui m'ai validé ou pas. Ah, il t'appelle. Tiens, voilà. Donc, là, on t'appelle, là, c'est le briefing. Donc, ça va être le briefing. Allez, bon, Eric. Va bosser un peu. Et merci d'être venu. Allez, puis là, c'est bonjour, briefing. Bonjour, ça va. C'est la chaîne RC Bubus. J'ai su que vous étiez là. Il y a une concentration de caméra. C'est des copains à Vigelan. Il me dit, viens. Bah, vous avez bien fait. Et quand vous aurez un petit peu de temps, on fera une petite interview. Ouais, pas de problème. Parce que vous faites quand même des super choses depuis pas mal d'années, bien avant nous. Et ça ouais, c'est vrai que ça commence à dater. Exactement. Mais je suis à la retraite pendant des courses. Mais comme vous êtes là, si vous voulez bien, on va en profiter. Ça, ils pourront ouais, on fera peu, ça tout à l'heure, pas de problème. Voilà, ils pourront un petit peu vous connaître davantage pour peut-être les plus jeunes qui ne sont pas forcément. C'est pas pour mal. Bon, allez, on va les filmer d'un peu plus près, les filles. Ah ouais, mais ils le font en plus, ils le font à l'envers. Alors, attends, on est obligé de descendre parce qu'ils le font à l'envers, le briefing. Hop. Alors, vous avez, alors vous voyez, hein, l'accès, il est réglementé. La descente, vous l'avez, il y a un chemin à faire. Donc, vous voyez, ça c'est pour que tous les pilotes. Alors je pense que c'est aussi une histoire de. Ah oui, c'est pour que quand ils descendent, qu'ils aillent au ramassage. Ouais, ça les oblige à venir dans cette zone et d'aller sur allez, messieurs les pilotes. Dans ramassage. Notre responsable chronométrage, c'est en train de sortir à l'hélice. Alors le briefing, hein, c'est. Alors là, je vous dis toujours, hein, dans l'optique de ceux qui font pas de compétition, vous avez ça pour les championnats de France. Comme ça, vous avez le directeur de course, l'arbitre, le responsable fédéral, souvent, qui font un petit discours. Et ils expliquent un peu les règles, hein, surtout en début d'année, comme ça, il y a quelques nouveautés. Qui sont encore dans le... Et il y a aussi des gens, les pilotes, c'est une de leurs premières participations. Alors, il y en a qui, ça fait des années qu'ils en font de la RC, mais il y a quelques nouveaux aussi. Mais la moyenne d'âge, elle est quand même. Alors, j'ai vu, il y a des tout jeunes. Il faudra que j'aille voir. Ouais. Mais il y a aussi des vieux. Tiens, voilà, hein, par exemple, des gens qui sont depuis le début que ça existe, le brochet, je pense. Donc il y a un peu de tout. Là aussi, il y a des vieux, des gars qui font la catégorie depuis le début, je crois. Ils ont fait, depuis on a commencé, 2013. Les lipos n'étaient même pas coqués. Voilà, les gars, ils étaient encore avec des piles, des R6 qui mettaient. Là, les acharnés. Non, du vieux, il y en a. Ça, c'est pas un problème. Allez.